tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire la présentation du quatrième tome des livres de la collection Les Saisons du Bien-être. Donc ici on a la saison, évidemment l'été, le petit dernier qui me manquait vu que j'ai déjà le printemps, l'automne et l'hiver. J'ai reçu celui-ci du coup, hein, toujours d'Asilis Salvador et Camille Pellissier, toujours aux éditions Améthyste. Bon, ben déjà la couverture est magnifique, hein, ça sent l'été, la mer, la plage, le parasol, les cocktails, elle est super jolie la couverture. Je me suis dit que j'allais vous présenter celui-ci aussi, vu que je vous ai présenté les trois précédents et ça vous avait quand même bien plu. Si jamais vous voulez aller voir les trois précédents, vous les trouverez, les reviews, dans ma playlist présentation de livres. Voilà, voilà, donc il est au prix de 15 euros. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Plaisir, joie, bonheur et chaleur. L'été, saison tant attendue, est enfin là. Son sable chaud, ses barbecues, le bruit des cigales et sa vitamine C. Bref, sa feel-good attitude. Un seul mot d'ordre donc, le kiff. Asilis Salvador et Camille Pellissier, qu'on ne présente plus, ne dérogent pas à leurs bonnes habitudes en cette saison estivale et vous propose un florilège de pratiques à adopter pour vous reconnecter avec votre corps et votre esprit. Dans cet ouvrage holistique, petit dernier de la collection Les Saisons du Bien-être, toujours des recettes, toujours des conseils faciles et bienveillants, toujours de la méditation et plus que jamais on positive. Ouais, ça c'est super important. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, pour le moment, on n'a pas l'impression que l'été est trop là, hein, avec le temps. Il fait pas spécialement beau, il fait assez... on va dire frais pour la saison, il pleut beaucoup, enfin du moins chez nous en Belgique, on a beaucoup d'orages, donc on n'a pas encore tout à fait l'impression qu'on est en plein dans l'été. Du coup, on va le découvrir ensemble. Je l'ai reçu, je remercie encore mille fois Laura qui me l'a envoyé, et du coup, j'ai eu la super surprise, je serais trop contente d'avoir une dédicace des deux autrices, hein, Asilis et Camille, et j'ai gardé ici le petit mot qu'on m'a écrit aussi, même regardez, le masking tape est avec des petites pastèques. Voilà. J'étais trop contente quand j'ai vu leur petite dédicace. Ça m'a fait trop plaisir. Alors, on va le découvrir ensemble. Je vais bouger un tout petit peu la bougie. Voilà. Voilà. Donc, l'été, saison du bien-être. Ici, on a les remerciements d'Asilis et de Camille. Et je vous rappelle qu'il y a toujours le groupe sur Facebook où... je crois qu'il s'appelle justement « Les saisons du bien-être » où on partage beaucoup sur les livres justement. Donc ici on a le sommaire, j'adore ce petit liseré ici avec du blé, papillons, des petits poissons, c'est trop mignon, petit coquillage. On a la partie 1, l'été, la saison de la floraison. La partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Et la partie 3, c'est toujours la même chose, là, je mets la main à la pâte avec des recettes. Voilà, donc ici on a l'introduction, j'ai vu qu'il y avait des petites libellules, trop mignonnes, et on est dans les coquelicots, les chapeaux de soleil. Alors, on a ici un petit mot de Camille et d'Asilis, on les retrouve ici toutes les deux, voilà, Asilis en haut, Camille en bas. Et on va commencer par la... donc ici, on commence du coup par la première partie, l'été, la saison de la floraison. Bon, ils sont à peu près, enfin non, ils sont pas à peu près, ils sont tous construits de la même façon. Hein. On a une partie l'été chez les humains, on a toujours le calendrier avec tout ce qui se passe du coup pendant la période de l'été. Voilà, bon, ça vaut un petit zoom sur la nature. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette collection de 4 livres et je trouve que c'est chouette de les avoir et de pouvoir les ressortir... quand la saison est là. On a un test. Quel style de musique rythmera votre été? Alors, une méditation de l'été. Ici, je trouvais ça très bien. On nous reprend les chakras avec leur fonction, le sens, la couleur. C'est toujours chouette de le rappeler. La partie 2, bien dans mon corps, bien dans ma tête. Bon, c'est la partie que je préfère. Donc, on va ici nous parler d'abord de la naturopathie. Un petit peu de Hildegarde de Bingen que j'adore. J'aime beaucoup de Paracels. Voilà. Bon, je ne vais pas tous vous les citer. Hein. Docteur Paul Carton. Pierre Valentin. Les tempéraments glandulaires. Là, on va nous parler des glandes. Voilà. On les voit ici.
Ici, ça nous reprend les types de glandes, comme ici la thyroïde. Hein, moi, j'ai eu des problèmes à un moment de thyroïde, voilà. Votre stratégie naturo contre les troubles de l'été. Par exemple, ici, si vous avez les jambes lourdes ou la rétention d'eau avec la chaleur. Hein. Je vous donne des petits conseils. La micronutrition pour avoir des jambes légères. Si on nous parle du fer, vitamine C, silice et quercétine. Moi, par exemple, j'ai une carence en fer depuis déjà un bon moment. Voilà, donc ça a attiré mon regard directement. Nos meilleurs conseils pour choisir sa crème solaire, ça, c'est hyper important. Ouais. Filtre chimique ou minéral. D'ailleurs, ça, j'irai le relire, du coup. La cure d'été. Avec pour qui, le déroulement, les contre-indications, propriétés. Voyage dans une discipline complémentaire. Ici, on va nous parler de la méditation. Quels sont les bienfaits de la méditation, hein, pour aller plus loin. Mais il y a même les applications à télécharger sur votre smartphone pour vous aider à méditer à celle-ci. Petit bambou est assez connu. Voilà. Mes émotions, les émotions en été. Body positif, s'aimer à tout prix. C'est vrai que ce n'est pas toujours la saison la plus évidente non plus quand on est complexé de son corps et qu'on doit se mettre en maillot, etc. C'est pas toujours la saison la plus facile pour tout le monde, hein, de s'accepter justement comme on est. Les critiques du body positif et les complexes, ben voilà, c'est bien ça, de ça qu'on parlait, hein. S'entourer de représentations diversifiées sur Instagram, ici il y a des comptes du coup, c'est chouette. 5 clés pour comprendre l'alimentation intuitive, ça je vous avoue j'ai pas encore lu, mais ça a l'air super chouette. Voilà, bon, là c'est l'article. Acceptation de soi et de son corps. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous parlais. Pas toujours évident. Hein. Voilà. Ici, il y a des, par exemple, zones à tapoter. Sous le nez, je n'arrive pas à accepter les compliments sur mon corps, etc., etc. Oh, quelle belle illustration. Moi, ça me donne tout de suite envie de mettre au bord de la plage. Plantes et tisanes de saison, du coup. La corelle. Je connais pas. Clamate, je ne connais pas non plus. Voilà ici, la description botanique, etc. La lithotame, une algue apparemment. La spiruline, ça je connais, j'ai déjà entendu. Quand même. Alors, on passe à la tisane de saison. Ça, c'est toujours chouette aussi pour faire un mélange de saison. Ouais, si on nous propose tout ceci à associer, du coup. Nos huiles essentielles préférées de l'été. Ça, c'est une des parties que je préfère avec celle sur les pierres. Voilà. On a le cyprès toujours vert. Et j'adore toujours ces belles illustrations, hein, pour illustrer. J'avais un sapin comme ça quand j'étais petite, je m'en souviens, avec ces petites boules dans mon jardin. La lavande aspic. Celle-là, on la connaît presque tous normalement. Hein. L'antisque pistachier. Celle-là, je la connais moins. Elle est moins... on en parle moins. L'amande poivrée, évidemment. Celle-là, elle est hyper conseillée pour tout ce qui est mal des transports aussi, à anti-nausée, voilà. C'est celle-là qu'on conseille en général quand on a le mal de mer, des nausées, etc. Voilà. Huiles essentielles psycho-émotionnelles. Ça, c'est... Les autres, c'était plus pour tout ce qui était petit bobo de santé. Ici, c'est plus pour tout ce qui est émotion. Avec l'hélichrysse de Corse. Moi, je connais l'hélichrysse italienne. Donc, je ne pense pas que ce soit la même, du coup. Non, je ne pense pas. La carotte cultivée. Ensuite, on passe à une des parties que j'adore aussi, hein, les cristaux de saison. J'aime bien cette illustration, je trouve ça trop beau. Avec la citrine, le larimar, ces deux-là, on les connaît. Hein, la cornaline, la rhodonite. Ensuite, on passe à la catégorie yoga avec les postures qui sont illustrées et bien décrites. La torsion assise, le cobra. Ah, les coquelicots. Posture de l'enfant. Le chien à trois pattes. Le demi-pigeon. Fais toujours rire, moi, les noms des postures de yoga. Le bébé heureux. La posture du cadavre. Celle-là, j'avais déjà dit, ce nom me fait rire, moi.
Elle était déjà une somme dans un des autres. Ensuite, on passe à la partie 3 avec je mets les mains à la pâte avec les recettes. Voilà, pourquoi végétaliser son assiette? La B12, c'est la vie. Ici, ça, j'ai regardé ça il y a 2-3 jours, la liste des légumes de saison. Ça, vous le retrouvez dans chaque saison et c'est super chouette, quoi. Parce que moi, j'oublie, hein, je vous avoue, je ne retiens pas tout le temps. Oui, il y en a, je sais que c'est de telle saison, mais pas tous, quoi. Voilà. Un smoothie du petit-déj. Zoodle de courgettes sauce aux tomates séchées. Gazpacho fraises et pêches. Ça doit être super frais, ça. Ça, j'avais envie d'essayer les pancakes de tomates. Ça m'inspire. Et ça n'a pas l'air bien compliqué, en plus. Brochette de tofu. Lacto-fermenté melon pastèque. Ça doit être bon aussi, ça. Cake salé, olive et feta, ça doit être très très bon aussi. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, en général, quand je regarde un livre de recettes, ça me donne toujours faim. Brochette de tofu et légumes. Tarte à la tomate. Puis ça donne des idées aussi qu'on n'aurait peut-être pas spécialement. Comme ici, une tapenade aux algues. Ce n'est pas le genre de recette vers lequel je me tournerais. Et parfois, on a des bonnes surprises. Comme ça donne des idées. Caponata, dalle de lentilles, corail et gourgettes. Ça a l'air bon aussi. Salade complète d'été. Regardez-moi comme c'est joliment présenté. Ça donne directement envie, je trouve. Naquette, cake, vanille, framboise. Ça, mon fils l'a vu. Il était déjà en train presque de baver sur la photo. Il est en train de rigoler à côté de moi parce qu'il est à côté de moi pendant que je fais la vidéo. Voilà. C'est vrai qu'il a l'air bon, hein. Mocktail, kéfir, frais, citron. Alors là, Virgin Mojito à l'hydrolat de menthe poivrée. Ça, c'est à tester aussi. Sincèrement, margarita glacée à la pastèque. Alors ça, j'ai trouvé ça génial aussi. Idée d'eau infusée. Concombre, menthe, citron, queue de fraise. Je savais pas qu'on pouvait infuser moi des queues de fraise. C'est bête, mais j'en ai mangé il y a pas longtemps et je les ai toutes jetées, les queues. Comme quoi, la prochaine fois, bah, j'essaierai du coup. C'est une bonne idée. Voilà. Pour ceux qui n'aiment pas trop boire de la bête eau, bah, voilà, des idées pour les infuser. Moi, j'ai fait ça l'année passée. Ça passe déjà nettement mieux. Tisane, petit loukoum, menthe, eau de rose et pignon grillé. Bah, rien que le nom, ça a l'air super. Et la théière est super jolie en plus, en vert comme ça. Alors, do it yourself, spray anti-moustique. Ah bah ça, c'est super aussi. En plus, j'en ai moi de l'huile essentielle de citronnelle. Super! Quelle bonne idée. Et des sprays comme ça, on en trouve plein sur Amazon aussi. Moi, j'en ai d'ailleurs. L'ouvrage l'été se termine ici. Regardez-moi ça avec cette belle illustration. Sur un champ de, on dirait, de la lavande. La bibliographie, évidemment. Cytographie. Et ici, bon, je vais quand même vous les montrer. Ah ben voilà, je vais quand même vous les montrer maintenant, tous les quatre réunis. Hein. L'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Les quatre bébés de cette collection. Alors ici, on a ma cuisine aux herbes médicinales, la phytothérapie pour débutants, les chakras dans la collection, les essentiels bien-être. Et ici, intime, guide pratique de déconstruction des tabous féminins. Celui-là ne sent pas qu'il... Oui, apparaît, tu sens bien. Je n'avais pas encore aperçu celui-là. Et alors, toujours le magazine à la fin. Hein, vous pouvez vous abonner sur le site Alliance Magique gratuitement. Vous ne payez seulement les frais de port. Et en plus d'être tenu au courant de tout ce qui sort comme livres, comme jeux, etc. Vous avez plein de super articles. Un tirage pour les mois à venir. Et les phases de la lune, enfin plein de super infos, super intéressantes. Enfin, moi, je l'adore ce magazine. Voilà, donc c'était le dernier de la série Les Saisons Bien-être, donc l'été. J'espère du coup que vous passerez un bon été, de bonnes vacances. Hein. Mais évidemment, on se retrouvera encore entre-temps pour d'autres vidéos. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.